나만 안 가라 영원히 상불행계유 고밤비에 간디쥐갸웨 린두티라 마주요세 나만우바 이듀코라요 세니기사 구쿠비코라 우루쿤도 이듀부가 Manangara. Esprit, viens par ton vent, remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise dans mon courant de vie. Souffle sur moi, Nous venons d'entendre un beau chant que les jeunes viennent de chanter. Et nous avons eu des bons moments de la présentation de l'enfant. Et vous savez, quand nous étions encore jeunes, ça ne nous disait rien. Mais je commence maintenant à comprendre que je commence à vieillir un peu. Quand je vois des bonnes choses comme ça, avant je disais je dois finir mon université, je suis encore jeune. Alors quand je vois toutes choses, j'ai envie d'aller au ciel. Alors je me pose souvent la question, ces enfants-là que nous avons
mis au monde, est-ce que nous allons pouvoir les élever jusqu'au ciel? Et je dis, ces enfants qui chantent ici, dans 2 ou 3 ans, où ils seront rendus? Quand j'étais en Europe, quand je suis allé en Europe en l'année 2000, alors je pensais qu'en Europe, personne ne pouvait cracher sur terre. Et peut-être aussi, vous voyez ça à travers les films, vous pensez que c'était vraiment extrêmement propre. Nous avions l'idée que tous les Blancs, ils sont propres. Et quand je suis arrivé à la gare du Nord à Bruxelles, alors quand je suis sorti de la gare, j'ai vu un homme qui a descendu son pantalon. Il s'est penché, il s'est approché d'un arbre qui était juste à côté de la gare. Il a commencé à pisser. Puis je me suis demandé, je suis rendu en Europe, je suis encore en Afrique. Alors ça a été un choc culturel pour moi. Alors c'était le début, quand j'ai commencé à aller dans les bus, j'ai vu d'autres choses que j'ai découvert. Alors j'ai vu des gens qui s'embrassaient pendant que le bus se roulait. Alors que chez moi, je ne voyais pas ce genre de choses-là. Alors je voyais beaucoup de monde sur la route. Alors je me disais, où partent ces hommes-là? Quand j'ai quitté chez moi, j'avais une petite radio. Alors je disais, chaque fois que je vais entendre la radio rwandaise, mais je vais continuer mon chemin. D'après 17 ans, je suis rendu jusqu'au bout du monde au Canada. Quand j'ouvre aussi la radio rwandaise, j'arrive à entendre aussi, à écouter la radio rwandaise. Alors quelqu'un m'a dit, tu as couru plusieurs pays. Tu vas te rendre jusqu'où, mon ami? Quand est-ce que tu vas courir? Tu vas courir jusqu'à ce que tu arrives où? Alors c'est mon titre dit parce que tu cours, alors où est-ce que tu vas arriver alors que tu cours toujours? Tu cours toujours, où vas-tu? Alors moi je me suis posé cette question et j'ai reçu des réponses. Étant donné que j'étais déjà arrivé au bout du monde, donc la première solution c'était soit de retourner là où je suis venu. Alors quand j'ai bien pensé, j'ai dit non, je suis sur le chemin qui mène vers le ciel. Parce que ce monde ne nous appartient pas. Nous allons prier. Il y a une histoire que je vous ai racontée il y a très longtemps, peut-être que vous l'avez oubliée. Je vais vous rappeler de cette histoire-là, pour ceux qui s'en rappellent. Pour ceux qui ne connaissent pas aussi l'histoire, j'aimerais que vous puissiez entendre cette histoire. C'est une petite histoire. Un jour, la forêt brûlait, donc il y avait feu dans la forêt.
bakame huko muizi huko twaizi wacu mu kinyarwanda tuzi ko ari nyamaswa z'ubwenge. Alors dans la tradition rwandaise, donc on nous a appris que le petit lièvre il est très intelligent. Nuko igiye kubona ibona imbwa ziratambutse ziriruka. Alors le lièvre a vu des chiens qui passaient et qui couraient. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Les chiens sont en train de courir vers moi, ils sont en train de courir après moi. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Bon, il a trouvé aussi d'autres animaux qui couraient. Il a regardé à droite et à gauche. Et quand il posait la question à des animaux qui couraient, tout le monde courait, mais personne ne répondait à sa question. Alors, donc le lièvre a vu aussi que les éléphants commençaient à courir. Alors le lièvre a dit, c'est difficile, c'est grave. Alors le lièvre aussi a commencé aussi à courir. Et vous savez que le lièvre sait courir rapidement. Alors il a couru, il a dépassé tous les animaux. Alors il a rencontré d'autres animaux en chemin et les autres animaux ont dit à Bakame, pourquoi tu cours aussi? Alors Bakame a dit, écoute, pourquoi je suis en train de courir effectivement? Alors le lièvre a donné la réponse que je pense que tout le monde probablement aussi répond à cette question. J'ai vu d'autres personnes courir et moi aussi j'ai couru. C'était la réponse qu'il avait. Est-ce que sommes-nous pas en train de courir sans savoir pourquoi nous sommes en train de courir? Nous sommes sur le chemin qui mène vers le ciel. Il y a une personne qui se battit pour nous. Et il a versé son sang pour nous et ce Jésus. Alors il a dit, je vous donne mon commandement, observe mes commandements. Je vous donne des commandements, c'est pas difficile, c'est comme ça que je suis, c'est ma nature. Alors ce que nous avons fait, c'est que ces commandements que Dieu nous a donnés, nous passons toujours à côté. Alors quand on nous dit, qu'est-ce qui s'est passé? Alors la réponse, nous sommes déjà rendus en Occident. C'est ça la réponse. Quand tu dis à un enfant, à un jeune, dis, oh, fais comme ça. Alors il va dire, tu n'es pas intelligent. Nous sommes nés dans une société où les dames respectent leur mari. Alors vous savez maintenant les réponses, n'est-ce pas? Des fois, je ne sais pas comment exprimer comment les dames répondent à leur mari. Je ne veux pas dire que chez moi ça ne marche pas. Si ça ne marche pas chez moi, vous le saurez, c'est sûr. Alors, chers amis, ce que je vous dis, que Satan s'est levé et il s'est levé en combattant l'Église. Nous avons eu la chance d'apprendre le livre Daniel. Et nous avons vu que nous sommes dans la fin de temps. Nous sommes rendus aux orteils. Lorsque les différentes nations ne vont jamais s'entremêler. Là où il y a différentes doctrines un peu partout qui s'enseignent. Nous avons appris cette semaine comment Satan continue à séduire les hommes de Dieu. Et le fait qu'il a déplacé le sabbat, il a déplacé pour le dimanche.
ese kudapfa ku mubiri bivuga iki? Alors il y en a un qui m'a posé la question en disant la mort, n'est-ce pas, le fait d'immortalité de l'âme, ça veut dire quoi? C'est une question pour laquelle nous n'avons pas de réponse. Parce que beaucoup de gens suivent ce que M. Darwin a écrit. Et alors Satan nous dit que quand on meurt, donc cette âme, n'est-ce pas, donc l'esprit va continuer à vivre quelque part. Alors j'ai répondu, comment tu penses que cet esprit va exister alors que ce qui devrait utiliser n'existe plus? Donc Satan continue à nous séduire de différentes manières. Alors que nous avons bien appris les enseignements qu'on nous a donnés. Donc l'amour s'est rétréci, il s'est refroidi. J'ai une collègue ou une dame qui travaille avec moi alors que je discutais avec elle pendant cette semaine. Ça fait 15 ans qu'elle vit avec son mari. Ils ont 3 enfants ensemble. Alors un jour, le mari s'est levé et dit, je ne t'aime plus. Et si je vous dis pourquoi le mari lui a dit la cause, n'est-ce pas, de ce problème, vous allez vous étonner. Alors là, c'est parce que le mari lui a dit, oh, tu as grossi beaucoup, je ne t'aime plus. Tu n'es plus à la mode. Vous avez vu même les jeunes qui ne portent pas de Nike, n'est-ce pas? Les autres ne le regardent même pas. Nous avons donc omis de savoir notre valeur. Nous avons oublié que nous sommes des frères de Christ. Alors, nous avons oublié que quand Jésus est mort sur la croix, mais les anges sont devenus nos frères. Alors, nous oublions que... Alors, nous pensons que les habits que nous portons et que c'est ça qui nous rend valeureux, qui nous donne la valeur. Que quand une femme a grossi, c'est fini pour nous, on n'est plus. Nous sommes dans des sociétés terribles. Nous devrions donc continuer à apprendre pour que nous soyons prêts quand il va venir. Je ne veux pas vous dire ce que vous devez faire ou ce que je dois faire pour que nous puissions aller dans le bon chemin. Parce que vous connaissez beaucoup. Samedi passé, nous avons appris 7 choses que Dieu n'aime pas. Donc nous savons donc que ce que Dieu aime, c'est ce qui est contraire à ce qu'il est. Nous savons que avoir l'amour, donc aimer, c'est une des choses que Dieu aime. Nous savons que avoir la bonté, c'est quelque chose que Dieu aime. Nous avons tous appris ces notions quand nous étions encore jeunes. Nous allons lire ensemble en Ésaïe 65, verset 8. Nous allons donc voir les récompenses que nous allons avoir lorsque nous allons respecter la loi de Dieu. Ésaïe 68. Verset 8, il est écrit.
Ainsi parle l'Éternel, quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit ne la détruis pas, car il y a une bénédiction. Nikonza bigenza kuko bagaragu banje kugira ngo ntabarimbura kugira ngo ntarimbura abantu bose. J'agirai de même pour la mort de mes serviteurs afin de ne pas tout détruire. Anuiteka aturinda nkuruzabibu rwiza. Alors ici Dieu nous protège comme une grappe. Uruzabibu rwera neza. Donc une grappe qui fructifie. Verset 9, on dit, je ferai sortir de Jacob une postérité et de Juda un héritier de mes montagnes. Et je suis sûr et certain que nous faisons partie de ces familles et que nous allons hériter dans ces montagnes. Mes élus posséderont le pays et mes serviteurs y habiteront. Chers amis, nous allons vivre sur ces montagnes que Dieu nous a préparées. Alors, nous allons voir maintenant ce qui nous amène à pécher. Les récompenses ou les problèmes, ceux qui vont avoir comme problème. Mais vous qui abandonnez l'Éternel, qui oublie ma montagne sainte, qui dressait une table pour garde, kandi mugasukira divayi imana igena ibizaba, et remplissez une coupe pour meni. Nanjye nzabagabiza inkota kandi mwese muzunama kugira ngo mwicwe. Je vous destine une grève et vous fléchirez tous les genoux pour être égorgé. Bavandimwiteka hano mu gifaransa avuga ngo yabaye clair. Ici en français donc Dieu dit il est clair de ce qui se passe. Witeka yaduhaye adaciye ku ruhande. Dieu nous a dit des choses sans passer à côté. Il nous a dit, si nous faisons du bien, nous allons hériter des montagnes. Mais si nous faisons du mal, nous serons égorgés. Donc ce livre a été écrit il y a plusieurs années, comme vous le savez. Mais comme Paul dit, ceux qui vont être là, mais nous, heureusement, nous sommes là parce que nous sommes dans les derniers jours. Nous devons choisir si nous serons égorgés ou si nous allons hériter des montagnes. Donc, s'il y avait un choix, nous devions choisir, n'est-ce pas, de vivre éternellement. Mais ça nous demande une consécration. Cela demande que nous puissions quitter du point de mauvaises choses à des bonnes choses. Dans cette marche donc que nous menons, nous devons regarder tout droit sur Jésus, vers Jésus. Pour qu'il soit notre lumière et notre exemple qui nous mène vers où nous allons. Verset 13. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici mes serviteurs mangeront, mais vous aurez faim. Mes serviteurs vont manger. Si nous respectons l'Éternel, nous allons manger et nous serons rassasiés. Si nous avons l'amour, nous allons manger et nous allons être rassasiés. Le problème, c'est que nous choisissons la haine au lieu d'avoir l'amour. Et des fois, nous haïssons sans raison. Donc tu vois un frère qui est rendu, qui a eu peut-être une promotion ou a eu quelque chose qui est bien, alors tu dis non, ça ne va pas.
hawa mushimi ukabuguti imana yaguye kugiriye neza aho gusanga tubizanyemo ibintu by'amashari. Au lieu de dire oh merci Dieu a fait des bien pour toi, mais nous commençons plutôt à jalouser. Ikibazo rero nuko twabaye babi ku buryo nuko ushimye nawe utangira kwibaza ngo mbese ari baransa biki. Nous sommes tellement devenus mauvais que même la personne qui te félicite, tu penses derrière est-ce qu'il est en train de demander quelque chose. Urabwira umuntu uti nabonye hari amahahiro akakubwira ati suye yibye ngo ndashonje. Alors des fois je dis j'ai trouvé quelque chose à manger de l'autre côté et la personne va dire est-ce qu'il pense que je n'ai pas mangé, j'ai faim. Bavandimwe niba dukundanye byukuri reka tugirane icyizere. Alors si nous aimons vraiment, il faut que nous nous ayons confiance. Alors, tous ceux qui travaillent ensemble, rien ne va les empêcher à réussir. Nous devons nous parler entre nous la vérité pour que nous puissions être rassasiés. Il est vraiment triste que nous soyons des frères, mais à l'extérieur, nous vivons comme si nous ne connaissions même pas. Alors, verset 13, donc c'est écrit, « Voici mes serviteurs boire, mais vous, vous allez avoir soif. » Je ne sais pas si vous avez déjà eu soif. Qui a déjà eu vraiment, réellement soif là, ici? Qu'est-ce qui se passe quand vous avez soif? J'aimerais avoir une réponse. Quand vous avez soif, qu'est-ce qui se passe? Donc lui, il voit des nuages dans ses yeux. Personne d'autre qui a une réponse. Donc la langue devient sèche, n'est-ce pas? Quand vous avez soif, la langue devient sèche. Alors quand vous essayez de regarder dans 200 mètres, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voyez quand vous avez soif? Hein? Michael a une réponse. Oui. Il a de la sueur. Okay. Bon, il a de la sueur. Si tu as soif, que tu as soif, c'est que c'est le soleil qui t'a bien frappé. Donc la réponse, c'est quand tu essaies de regarder loin, tu regardes et tu vois comme si tu voyais la mer ou l'océan. Tu vas comme voir de l'eau qui est bombe et petit, qui est douce. Alors, les serviteurs de l'Éternel n'auront jamais soif. Amen. Nous n'aurons jamais soif lorsque nous avons travaillé pour Dieu. Mes serviteurs vont se réjouir, seront contents. Mais vous aurez honte. Qui a déjà eu honte ici? Et s'il y a quelqu'un qui a eu honte, qu'est-ce que tu as senti quoi quand tu as eu honte? Déception. Déception, c'est quoi? Déception. Je voulais vous crier. Donc, c'est ça, déception. Donc quand vous avez honte, qu'est-ce qui se passe? Donc vous allez avoir honte, vous serez dessous. Il dit, mes serviteurs vont avoir la joie, mais vous aurez honte. Voici mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur. Je ne sais pas ce que vous pensez
N'est-ce pas? Ce que vous sentez quand une personne a vraiment la joie dans son cœur. Tout ce que j'ai appris, donc ce que j'ai appris à partir des années 2000 jusqu'à présent, c'est avoir la paix dans mon cœur. Donc, faire ce que je pense et je consacre ça à l'Éternel pour que je ne puisse pas heurter personne. Le problème est que, en tant qu'homme, tu peux même rire et la personne va prendre ça mal. Donc vous savez, quand vous quittez le travail, vous trouvez la nourriture à la maison, vous vous asseyez, vous n'avez pas eu de problème avec personne dans la journée, vous êtes, n'est-ce pas, content, n'est-ce pas? Mais on dit tous qui sont avec l'Éternel, ils auront toujours un cœur apaisé. Mais vous allez crier dans la douleur de votre âme et vous vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. Et des fois, tu regardes une personne, vous n'avez rien avec lui et tu commences à haïr la personne. Je ne sais pas si c'est parce que nous sommes vraiment peut-être rassasiés. Je ne sais pas si nous avons trop. Je ne sais pas, peut-être parce que nous ne connaissons pas Dieu. Mais je pense que peut-être ça vous est arrivé, vous allez chercher un travail et les gens vous regardent comme quelque chose qu'un chien a refusé. Et la personne te regarde et la personne te hait alors qu'elle ne te connaît même pas. Et au Cameroun, là, on regardait la personne, on dit, regarde sa tête. Regarde ses oreilles. Et la personne te haïssait parce que, à cause de ce que comment tu as été créé, tout simplement. Il y a un gars qui a étudié avec moi à l'université, on l'appelait Bus. Bus, il s'appelait Bus. Parce qu'il avait une tête qui était sous la forme d'un autobus. Alors, nous haïssons des fois alors qu'il n'y a rien. Et vous savez, la personne a été créée par l'Éternel et l'Éternel crée quelque chose qui est parfait. Mais nous sommes en train de courir comme envoyer en courant tout simplement parce que les autres personnes sont en train de courir. Nous sommes en train de manger ce que l'Éternel nous a interdit. Les autres confondent le cochon à un agneau, à un mouton. Alors j'ai visité un ami, alors et la personne a préparé, il a dit mange, il a préparé de la viande, il a dit mange la viande. Alors quand j'ai regardé, je voyais quelque chose de suspect, alors quand je lui ai demandé, c'est quoi que tu as préparé? Il a dit, toi là, t'es prêt pour qui? Il dit c'est une vache, mange, c'est une vache, c'est la viande de vache. Alors la personne mentait, on essaie même de mentir nos amis. Donc le chemin que nous empruntons, n'est-ce pas, est semé de beaucoup d'embûches. Alors que nous essayons d'atteindre la perfection pour que l'Éternel nous trouve prêts.
Chers amis, nous nous battons, n'est-ce pas, pour pouvoir atteindre le ciel. Donc, le ciel merveilleux que Dieu nous a préparé. Alors, 17, on dit, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées. Et elles ne reviendront plus à l'esprit. Amen. Amen. Oh, essayons de travailler pour atteindre le ciel. Que nous puissions nous dépouiller de tout ce qui est intrigue dans nous. Si nous sommes des frères, que nous puissions travailler ensemble. Il faudra pas que nous puissions retourner en arrière parce que ça nous retarde. Il ne faut pas que nous soyons découragés parce que bientôt ça va être la victoire. Alors Dieu nous a dit, chaque fois que vous allez invoquer mon nom, je serai avec vous. Si jamais nous avons un problème, quel que soit le type de problème, apportez-le à l'Éternel. Que nous puissions, Seigneur, continuer à contribuer à atteindre le ciel. Alors, il y a un chanteur qui a chanté, dit, nous avons eu la paix au calvaire. La mort de Christ nous a libérés. Alors, chantez un cantique de joie parce que nous avons été sauvés. Dans la mort de Jésus-Christ, dans la souffrance de Jésus-Christ, c'est là où nous avons sorti ce chant de louange. Jésus a été crucifié et nous avons été libérés. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire à cette personne-là qui nous a rachetés, n'est-ce pas? Sans prix, qu'est-ce que nous pouvons faire pour pouvoir respecter ce qu'il nous demande? Nous devons le suivre, n'est-ce pas, pour que nous puissions rester dans la paix. Et que nous puissions savoir que la paix que Dieu procure, Jésus procure, ce n'est pas la même paix que les hommes donnent. Vous avez entendu quand nos pays vont négocier la paix? Alors ils vont dire, nous avons arrêté les combats. Nous sommes dans la paix, il n'y a pas de problème. Mais si jamais tu me provoques là, je vais te montrer. Alors ça ne tarde pas, sinon tu vas commencer à fomenter. Tu dis, ah, tu m'as jeté une pierre. Vous tous qui êtes fatigués, venez à moi pour que je puisse vous libérer. Oh, l'Éternel nous donne la paix ce matin. Que nous puissions marcher comme des personnes insensées. Venez chercher l'Éternel pendant qu'il est temps. Parce que c'est aujourd'hui que nous avons. Nous ne savons pas ce qui va se passer le lendemain. Alors j'étais avec madame, ma femme, et nous étions assis, on regardait les chants. Alors il m'a dit, pourquoi tu es en train de te lamenter comme quelqu'un qui a envie de te lamenter? Qu'est-ce qui se passe? Mais alors voici la réponse, aujourd'hui c'est pour nous, c'est pour nous. Nous ne savons pas ce qui va se passer demain. Aujourd'hui nous sommes à l'aise, n'est-ce pas, mais nous ne savons pas ce qui va se passer demain. Il y a des gens qui vont dans les hôpitaux se faire soigner un petit rien. Alors on va lui annoncer, dire, ah, tu as un cancer, il te reste 6 mois seulement. Nous devions remercier Dieu parce qu'il a gardé notre santé en paix jusqu'à présent.
venons chanter à l'Éternel pendant qu'il est encore temps. Tout ce qui hésite à travailler pour l'Éternel, venez, on va mettre ensemble notre force pour travailler pour l'Éternel. Tout ce qui veut rester dans la paix, venez, nous allons travailler pour le Seigneur. Donc, courons, n'est-ce pas, en sachant où nous allons, mais pas courir sans savoir où nous allons. Donc ici, ce n'est pas chez nous. Chez nous, c'est au ciel. Il y a un chant que j'aime beaucoup et j'aimerais que nous puissions le chanter ensemble. Et je sais qu'il y a une personne qui va dire non, toi tu exagères là. Mais je sais que cette personne, nous irons ensemble au ciel. Et que nous allons chanter ensemble ce chant si cette rivière. Je ne sais pas si Inès peut chanter le numéro 70. En Kinyarwanda, on va voir si. Numéro 70. Numéro 70. Donc, nous allons chanter avec force. Et nous allons chanter ce numéro 70. Et les personnes vraiment qui sont aussi contents comme moi, ils peuvent s'approcher et nous allons prier ensemble. Ils s'approcher devant nous. 70. Thank you.
batanga amafaranga menshi kugira ngo bige uburyo bazajya kuba ku kwezi. Alors que les gens donnent trop d'argent pour aller jusqu'à la ligne, vivre à la bakaba bainda za méthode zo kugira ngo babashyire muri bya congélateur bikomeye bazazuke nyuma y'imyaka 20. Il y en a même qui ont la méthode d'être mis dans des congélateurs, n'est-ce pas, pour qu'ils puissent revivre plusieurs années. De nous rendre, n'est-ce pas, l'arme de l'Éternel pour atteindre le ciel. Ils vont nous embellir des bonnes choses du ciel. Donc faisons tout pour que nous soyons des vauriens. Alors, monter cette montagne, bien que c'est difficile, pour que lorsqu'il va revenir, nous soyons prêts. C'est ce que j'ai pris pour moi et pour vous, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier. Wongeye kutwibutsa yuko turi abantu buntu tutaguza mu bitambambuga, ariko ndakwinyize muri uyu munsi Nyagasani kugira ngo uduhe gufungura amaso yacu, utuhe gutumbera iwawe mu ijuru Nyagasani, kugira ngo ubu ugiye kuzagaruka bidatinze uzaze Nyagasani uturuhure ibiriwe muri iyi si. Turakwinginze ngo nubwo turwana n'umwanzi Satani, nubwo agerageza kuduhugenza, Mwami ndakwinginze ngo ukomeze kuduha urukundo, uduhe kugirirana neza, uduhe Nyagasani kumurika nk'uko wabidusabye, nk'uko watubwiye turi umunyu w'isi. Nyagasani ndakwinginze ngo uduhe kugumana uburyohe bwacu. Ndakwinginze kugira ngo ubwo watubwiye ngo turi amatabaza, Mwami umucyo wacu ukomeze umurikire abo tubana ndetse n'abaturanyi bacu, kugira ngo uzaze imbaga nyamwinshi izasange tukwiteguye, Mwami. Bari natwe muri byose ubwo tugiye gutaha mu ngo zacu, ngo twibutse yuko turi abana bawe, utwibutse yuko twacungurwa amaraso y'igiciro cyinshi, maze Mwami uzaza twese uko turi aha n'abandi imbaga nyamwinshi iteraniye mu masengero nyinshi ku isi yose, ndetse n'abatarakumenya Mwami, kugira ngo uzaza tuzaririmbira izi ndirimbo z'ishimwe kuri wa mugezi, duhimba izina ryawe. Ibyo nambaza mu izina rya Yesu.